Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour Neverwinter Nights. La dernière fois, nous étions passés alors juste ici dans cette magnifique tour décimée, petit passage sous les souterrains, et nous sommes atterris de l'autre côté de ce qui semblerait être la ville de Luskan, une autre partie de je ne sais pas quoi. Et au lieu de continuer, on a fait un petit donjon pour vaincre Voléron le damné, qui n'a pas été sans mal. Et au lieu de continuer dans cette partie de la ville, je me suis dit, si j'ai traversé les égouts pour aller de l'autre côté, donc c'est techniquement le QG de Kurt, Captain Kurt, évidemment, ou Kirk, je ne sais plus, pourquoi ne pas directement aller à son QG, à la porte? Directement dans la porte, et c'est ce qu'on va faire déjà. Est-ce que j'ai fini de vérifier cette partie-là? Semblerait-il que non. Semblerait-il que j'ai oublié des choses. Notamment des caisses verrouillées qui sont une habitude dans cette partie de la ville. Voilà, pour cacher des sommes faramineuses, astronomiques, astralo-interstellaires, comme dirait si bien notre ami MV. Et donc, on va se charger du QG de cartes. Ouh, petite potion. Ah, évidemment, aussi, la dernière fois, petit level up, hein, sans prétention, au calme. Tout cela s'est déroulé dans le calme le plus total. Alors là il y avait des morts, là il y avait des décès. Mais... Non mais... Oui, allez, fais le tour. Au truc super chouette, oui j'y étais déjà allé. Des petites barriques. Un peu d'argent. Un peu de ça. Là au-dessus, il y a... S'il y a une caisse. Il y a une caisse. C'est super important. Bref. Petit 21 d'or. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Là, ici, il n'y a rien. Et puis, j'arrive au bout. Et cette caisse, je l'ai déjà vue. Alors, on entend quand même les gens paniquer. Est-ce que je dis non? Je ne suis pas d'accord, monsieur. Arrêtez de torturer les gens. Alors là, ça rame, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'affiche beaucoup trop de choses pour le jeu. Et nous allons enfin nous attaquer à un des semi-boss. Hein, je suis tenté de dire semi-boss de... Ah non, le QG de Kirk, c'est juste ce truc. Ah, je ne sais pas. Bon, nous allons voir. C'est parti pour le QG de Captain Kirk. Ça me l'attaque. Ah, ok. Donc c'était un passage. Donc c'est bien une autre ville, enfin une autre partie de la ville. Donc nous sommes au dock. Donc là il y a une maison abandonnée avec les égouts, le passage. Donc là, première chose à faire, non, cartographier. La cartographie c'est une passion. On va cartographier toute la partie supérieure. Parce qu'il faut le faire, il faut le faire. J'aime bien quand les trucs sont à 100%. On va aussi visiter les maisons. Hein. Bon d'accord, on va pas visiter cette maison-là en particulier parce qu'elle est fermée. Mais tu m'as compris. Oh, c'était quoi? Oh, putain, j'ai cru qu'il y avait un drop. On va descendre, on fait très attention. Je sens les traquenards bondir, surgir à n'importe quel... Oh, un coffre. Ah, mais les coffres. Alors maintenant tu te calmes, hein. Tu me fais pas comme la dernière fois où t'as agressé les gens d'un an. Ils étaient morts, peut-être. Écoutez le bruit. Magnifique bruit de l'eau. Pouce bleu pour le bruit de l'eau. Donc ok, ça m'amène sur ce passage. Je pense que c'était important de le préciser. Là, il y a un petit drop, les démons. Que le sale vous... Bonjour messieurs! Messieurs, dames, bonjour. Faites comme je n'existais pas. D'Alain. Ah, par contre, je prends cher. Ah là là, ah là là. Ah, ça attaque avec des flèches. C'est quoi ça? C'est des petits drops? Là, il y a un drop déjà. Monsieur, je tiens à vous dire que vous jouez comme des petites salopes. Hein, parce que attaquer de loin,
C'est une méthode lâche. C'est lâche. C'est très lâche, monsieur. Bon, toi, tu droppais une potion d'Alain, demi-tour. Établissons le plan, les lieux de tout cela. Non, d'Alain, allez, merci. Donc on vient de là. Ok, j'ai donc fait un petit détour un petit peu inutile. Mais qu'importe. Alors là, il y a une maison. Je veux aller dans la maison. Je peux aller dans la maison? Je ne peux pas aller dans la maison. Là, je vois où on était. Là, on m'a attaqué comme un salaud. Donc là, c'était les égouts. Donc, ok. Et par là, c'est la suite. Ouah, ça rame un petit peu. Alors, vous m'excuserez pour... C'est le fait que ça rame un petit peu. Je pense que je vais encore baisser légèrement la qualité du jeu. Non. Non, fais pas ça. Remets ton arme. Option vidéo. Je vais juste changer 2-3 trucs. Voilà. Ne vous inquiétez pas. On va baisser un poil les lumières. Voilà. Calmez-vous, tout va bien. Ça doit être... Bonjour, messieurs. Elle, en premier. Oh, petit 42 pour sa gueule. Elle se soigne, la salope. Je vais voir que je me soigne. Ah là là, je suis en train de me ramener tout le monde. Petite potion. Non, elle. Dalin, il s'est barré. Cet enculé, il s'est barré. Cet enculé de Dalin, il s'est barré. Voilà, parfait. Maintenant, le mercenaire. Ah, mais Dalin, comment il s'est barré? Chacun, c'est pas le combat de Dalin. Mais alors, pourquoi des mercenaires de la main écarlate? Est-ce qu'ils sont à la... Toi, je t'ai vu. Ah, mais je prends un... Voilà, heureusement que j'ai cette épée. Parfait, et d'un. Je vais ramener tout le monde là-bas. Dalin. Salut Dalin, tu fais chier le monde. Merci. Là, il y a quoi? Il y a des coffres, des barriques, des trucs. À droite, Dalin. À droite, on a des archers. Mais pourquoi il y a des gobelins? Non. Putain, mais pourquoi il y a des gobelins là? Oui, moi aussi je peux faire des bruits nuls. Parfait, Dalin, demi-tour. Enfin, non, pas demi-tour, il y a encore un salaud. Il y a encore en avoir deux ou trois. Allez, demi-tour. Trois. Attends, j'arrive. Oh, petit zoom nul. Oh, ah oui. Une protection contre elle, à mort, à prêtresse. Dalin est étourdi, il est juste... Non mais... Je veux dire que je me fous de ce que tu dis, mercenaire. Oui, Dalin, tu es guéri, par contre tu es sérieusement dans le caca. Allez, il en reste plus que deux, Dalin, on est chaud. On est chaud, Dalin. On a pas peur. Bon, par contre, je suis perdu dans la carte. C'est bon. Ça y est, c'est fini. Bon, demi-tour. Bon, au moins, on a trouvé la porte. Oh là là. Que d'émotion. Pense bleu pour l'émotion. On va se mettre un peu plus loin d'Alain. Notamment, elle est là-bas. Bon, au moins, on sait où se trouve Captain Kirk. Bah, on va fouiller le barrique. Et on va se reposer. Parfait, pack de premiers soins. Mais d'abord, le repos. Eh ben, ça commence très bien. Paf, XP qui monte à 78 000. Bon, ça va. Voilà. J'ai que 19 d'armure jusqu'à... Je pense que là, il doit y en avoir 32. Enfin, beaucoup plus que moi. Bon, Dalin est en top forme. C'est parti, on va retourner botter des culs.
Donc là-bas c'est Captain Kurt. Et là-haut, qu'est-ce que c'est? Des piécettes. Petit tronc d'âge, hein, que je vais m'empresser d'aller vendre. Dans le sac. Oh putain, j'en ai deux, c'est vrai. C'est trop craqué. Là, il y a un bâtal. Petit bâtal. Petit coffre nul. Prenons le petit bâtal. La carte est vachement petite, dis donc. On compte que maintenant. Et là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Parfait. Utile. Petit bout de map utile. Et ben, allons défoncer des Luke. Allons voir le Captain Kurt. Captain Kurt. Qui a fait... tata. Non, 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 on s'en fout. Je dois trouver Evain. Alors, petit Evain, où te caches-tu? Où est-ce que tu l'as mis, Captain Kurt? Déjà, des petites barriques. J'aime les barriques. Hashtag barrique. Monnaie barrique. Ah. Ah oui, tiens, d'ailleurs. Est-ce que j'ai toujours... Toujours avoir une torche. Parce que... Ah non, je peux... Ma amulette. Je peux pas les brûler. Forcé. LOL. LOL. Bon, on va arrêter. On va arrêter. C'est débile ce qui se passe. Je frappe des gens qui sont morts. Tenez, mourrez encore plus. C'est mal, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Alors, on entend des gens qui souffrent. Je voulais bien vérifier qu'il n'y avait rien. Chaudin, allez. Bonjour. On vient casser des culs. Ah, sauvegarde. Oh, oh. Salut. Je me mets en sneak. Je suis Solid Snake. On va aller à gauche. Enfin, plutôt. Que le sol vous engloutisse! Je suis Solid Snake! C'est l'heure de rendez-vous maintenant! Je m'occupe d'elle, parce qu'elle est chiante! Soleil nous en a rien! Pef, 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 pef! Les mercenaires de la main écarlate. Alors, pour qui travaillez-vous, bande de salauds? Petit drop. Oh 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 oh. Rappelez-moi mon arme. Non, alors c'est I. Voilà. C'est une épée à 2 mains plus. Oh. Oui, alors elle fait combien déjà? Elle fait 19, 20 x 2 avec 2d6. Ah, j'aime ça. Je vais quand même prendre ça et j'ai un écu que je ne peux pas mettre. Ah, j'ai tellement d'objets à la con.
Où sont mes 5 mes sacs infinis? Oh, j'ai plus de place. Merde, j'ai plus de place dans celui-là. Et j'ai plus de place dans celui-là. Donc là, celui-là, il est rempli, mais à mort. Genre, je peux plus rien mettre. Et là, si je peux faire un peu de place. Ah! Ah, bon, bah, le sac moins 80. C'est lequel? C'est celui-là. Dans celui-là, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et celui-là, c'est combien? Moins 40. Oh, je sais même plus mes sacs. Ça prend du temps. Calmez-vous. Que je me remette de qu'est-ce que ou quoi mes sacs ou moins 40, moins 40. Putain, mais j'ai un sac moins 80 et je mets de la merde dedans. Merde. Non, on revient. Non, mais oh, merci. Mais non. Mais non. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais Nick, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est de la merde. Donc là, le sac, moins 80. Ok. Alors, tout dans la boîte. La boîte, elle fait combien? Elle fait moins 60. Parfait. Paf. 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 Voilà. Donc, on la refait. J'aurais dû aller vendre mon bordel. Voilà. Parfait. Ensuite, la même. Je pense que je ferai peut-être une petite ellipse. Enfin, une poêle d'ellipse, ça ne veut rien dire. Une petite ellipse pour les ventes du bordel. Ça me prendra 5 minutes à faire le retour. Hein. Ensuite, on me dit qu'il y a des drops encore. Clé de la prison, mais qu'est-ce que c'est? Parfait. Oh, salut. Ouh, une hallebarde. Elle est énorme. Sera si... Mais comment je fais? Alors là, on est pas mal. J'ai fait disparaître une arme. Alors. Non, bon, d'accord. Mon sac est trop lourd. J'ai du mal à le porter. Fuck. Pose-la par terre. Ah. Celui-là. Normalement. Mon sac est trop ça. Lourd. J'ai du mal à le porter. Parfait, ça commence très très bien. Et bien écoutez, on va se poser ici pour la petite ellipse, hein, le temps que je fasse un petit aller-retour pour vendre tout le bordel. Et je reviens. Allez, à tout de suite. Ah là là, Dalin, c'était vraiment très l'ellipse. Donc je suis vidé et je n'ai plus rien. Et je voulais, oui, ouvrir les portes. Alors... Ok. Des soldats zombies. Alors, des soldats zombies, pourquoi pas? Cela cacherait-il quelque chose que je n'ose soupçonner? Bon, un cadavre. On les mouches quand on s'approche d'un cadavre. Oh, c'est bien foutu ça. C'est à dire qu'il est mort il y a un bon moment. Et là il y a un coffre. Et là il y a... Bonjour. Quoi? Vous êtes passé pour un fugitif de votre punition. Je ne vous reconnais pas. Êtes-vous un prisonnier? Je vais partir à l'armée de Kurt. Mais j'ai tenté de m'enfuir quand il est devenu fou. Je pourrais même être heureux d'être encore vivant. Pourriez-vous me libérer, monseigneur? Comment savoir? Je me suis permis, vous l'entendez, j'ai besoin de renseignements. Pourquoi vous êtes enfermé ici? J'étais raté sérieux. Il est devenu fou, il est prêt à tuer nous autres, le capitaine. Je vais essayer de m'enfuir. Ok. Pourquoi ne vous êtes-il pas tué, Junior? Car tu voulais parler de mon frère à un démon. Oh, mais c'est notre sacré pote Bélial qu'on va retrouver. Dites-moi ce que vous savez au sujet de Kurt, c'est un puissant guerrier. Qui sont les alliés de Kurt? Portail.
Ah, parfait, génial. Réussirez-vous à sortir d'ici tout seul? La voie est libre. Attends, je me barre. Attends, je m'assure que tu te casses. Enfin, non, en fait, je m'en fous. Salut, démerde-toi. Normalement, il n'y a personne. Et donc, nous avons appris quelque chose. Ah, à l'intérieur, ils ont découvert un prisonnier qui a donné des informations à le capitaine Tyrell, la majeure partie des les portails démoniaques qui se trouvent dans la base. D'aller dans la bibliothèque profane. Mais c'est très le nom. C'est très le nom, pas du tout. Trousse à piège d'énergie négative mortelle. Mortel, le machin. C'est genre. Oh, tu veux l'ouvrir, hein? Tu veux l'ouvrir, hein? Tu veux l'ouvrir, hein? Et bah, tu. Cette part est rouge. Piège. Pas maintenant. Pas maintenant du tout, même. La salle est un petit peu grande et je soupçonne que ceci soit un portail. Mais non, c'est que merde. Putain, y'a un connard qui a réussi à ouvrir la porte. Fermez la porte! Ils ouvrent les portes! Oh mon dieu, nous sommes finis! Bon, déjà deux de moi. Dalin, deux de. Non, non, Dalin n'ouvre pas les portes. Je te paye pour que tu n'ouvres pas les portes. Calme-toi. Oh, un autre coffre. Ah, je dis oui. Petite topaz dans le gros coffre. C'est inutile. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Oh, le petit piège. Oh, le petit piège de merde. Ah, sa bibliothèque. Voilà, c'était nul. Alors, des... Oh, des livres, des livres. Bon, où sont les méchants? Mais qu'est-ce que tu... Écoute... Hey! Non, 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 jamais! Il y a peut-être des choses bien dans ces bouquins. Comment ça, la lecture du dernier BHL, c'est de la merde? Mais pas du tout, je vous jure que c'est faux. Ah oh bah, d'accord, bon, ça se dérange. Mais arrêtez, le dernier BHL, il était bien, je vous jure. Là, ici, il y avait un truc. Non. Attends, non, non, non. Non, non, arrêtez de brûler des bouquins. Ah, ça va. Allez, démerdez-vous. Et maintenant... Oh! Est-ce que je vais essayer? J'essaye. Waouh! T'as brûlé un truc, t'as fait quoi? Je suis furtif et je vais te voler. Connard. Des Morgenstern et de la bière. Plein de Morgenstern et plein de bière. Oui. Non, 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 ta gueule. Ouais. Bibliothèque, bah ouais, mais il n'y a plus rien à part un gros livre. Hein, ce fameux grand livre nul. Oui, puis-je quoi que ce soit pour vous? Non, la ferme. Non. Voilà, c'est déjà mieux ça. Salut. Où est Sarah? Oh, il y a eu un...
Fantasite qu'on essaie de venir. Il y a plein de mobs qui sont apparus d'un coup. Je dois être dans sa salle principale, je pense. Ah, piège. Pour une potion de vie. On va se reposer avant demain, t'inquiète. Oh, oh, bonjour, mutagère. Il a bon goût quand même en matière de lecture, cet homme. Bon, on va tout casser d'un. On va se foutre devant la porte. On va se reposer un petit peu. Très léger. Petit repos. Et on va casser des culs. Et on aura fini avec Kurt. Le fameux Captain Kurt. Moi, je suis chaud. Mais c'est pas, je sais pas toi, mais moi, si. Je me sens en humeur massacrante. Déjà, furtivité. Sauvegarde. Et c'est pas la... Et c'était pas la bonne porte. Bon, tu te souviens de l'autre salle, Alain? Celle de la prison. On va passer par là. Parce que l'autre est un tout petit peu bloqué. J'entends quelqu'un là. J'espère que tu es chaud. Cette fois, on se fait pas avoir. Discrétion. On va aller à gauche. À gauche. Tempère la prêtresse. Ah, critique, c'était nul. M'a raté. À gauche, tout à gauche. Toujours à gauche. Là, le démon. Enfin, les putains de démons, ouais. Qui est donc, madame? Vous avez pas l'air sympa. Marche de Marie-Carré. Putain, mais il y a des molosses sataniques. J'arrive, Dalin. J'arrive, Dalin. Tu te débrouilles, Dalin. Tu te débrouilles. On se débrouille. Putain, faut faire un truc. Dalin, je vais parler au démon. Le porte. Savoir, j'ai de savoir. Échec. Chier. Ignorer le portable. Non. J'ai de savoir. Échec. Ok. Ignorer. Et là, moi, c'était une potion de savoir. Parfait. Utiliser sur moi. Je vois à travers le portail. Ok, bon, il faut placer un objet, de préférence, on va pas y aller tout de suite. C'est nul. Je prends. Je prends. On va aller voir Kurt. Cet enculé travaille avec des démons. Non, ouais, on va passer par là. On va passer par là, on va... Non, pas par là. Merde, ça apparaissent encore. Les démons apparaissent encore. Non, pas par là, déjà. Bonjour! Avez-vous entendu parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? T'as pu le... Il fout un ogre dans une pièce... Très, très petite, hein, je tiens à le dire. Ah, c'est comme ça qu'on considère les ogres, hein. Monsieur, ce n'est pas très... pas très Charlie. Alors là, il y a quelque chose, je pense que ça va être la fin. On va passer par là.